Thank you.
Bonsoir à tous, bonsoir. Nous sommes vraiment, alors vraiment, vraiment très heureux d'être ce soir, d'être avec vous. On a eu quelques reports et enfin, on est là, Franck, merci, merci de nous accueillir ce soir. On est là, merci. On va vous interpréter les titres qu'on a écrits nous-mêmes, nos compos de l'ancien album, aussi quelques surprises pour vous ce soir, mais également on va vous jouer quelques reprises, et notamment maintenant on va vous jouer une petite reprise d'un monsieur qui, si j'ai bien compris, est déjà venu dans ce club-là, il s'appelle John Nemeth. Je pense que vous connaissez, peut-être pour ceux qui connaissent. Yeah, c'est un tout timide, yeah. Mais bon, je vois qu'il y a les connaisseurs, donc la chanson elle s'appelle Sooner or Later, John Lennon.
Chaleureux ce soir. Franchement, troisième titre, vous êtes déjà attaqué. Bravo, bravo. Donc, vu que vous êtes aussi chaleureux comme ça ce soir, on va vous tout de suite faire une petite surprise et vous interpréter trois titres de l'album qui va venir en juin. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti. L'album que vous allez acheter pour ceux qui veulent ce soir, il comprend pas encore ces trois titres. Là. Et donc le premier, il s'appelle Galaxy, et moi je l'ai écrit pendant les grands moments de doute dans ma vie, dans le métier, c'était évidemment pendant le Covid, là où on se dit que, voilà, est-ce que vraiment le métier non essentiel peut encore continuer à exister? Moi je me suis posé les questions, et vu qu'on est tous encore là, donc ça veut dire qu'on n'est pas si non essentiel que ça. Hein. Merci beaucoup, Galaxy, il s'appelle le suivant. Sleepless nights getting hard. Look up through the sky.
bien comme il faut. Pareil, la chanson suivante s'appelle Stolen Sun. Le soleil volé. Je vous laisse imaginer de quoi ça parle. Ça parle. The sun.
Olivia Lepital, merci. Allez, on a bien fait un petit moment d'intimité. Je me suis reconnectée avec le groupe, avec le vous, c'est génial. Je me sens très très bien ici. Franchement, c'est un super endroit. Vous avez de la chance d'avoir un endroit comme ça ici. Et maintenant, on veut complètement changer de registre. Et vu qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière pour la France. Moi, je ne suis pas française, je n'ai pas voté, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui, donc, vous savez ce qu'il y a. Et nous, on est hors politique, évidemment. Mais on est pour les droits. Et donc, du coup, notre chanson suivante s'appelle Birthright. Donc, les droits qui nous sont donnés de naissance. C'est les plus importants, hein, n'est-ce pas? Birthright! I'm not
Le titre suivant, c'est notre ancien album qui s'appelle d'ailleurs, comme le titre, il s'appelle It Can't Go Wrong. Ça ne peut pas ne pas marcher. Donc du coup, je pense que c'est ce qui devrait se passer entre... Ouh! Yes! C'est un peu le micro, je pense. Qui aussi, qui s'excite un petit peu. Voilà, It Can't Go Wrong. Are you ready? You did to me, but I need you love to set me free. I'm alone, oh, you're lying.
Merci beaucoup, merci. La chanson suivante, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Humble Woman. Elle nous a été proposée, écrite par monsieur Bernard Selam, que vous connaissez peut-être, du groupe Awek. Et ouais. Et cette chanson-là, elle me fait penser à ma maman, qui est à 6000 km de moi. Donc, du coup, moi, à chaque fois, j'ai mon moment avec elle sur chaque scène sur laquelle je chante cette chanson, donc qui s'appelle Humble Woman. Merci. About the good time. On pense au temps de jadis qui était bien. Voilà, et ce sera notre dernier titre de ce set-là. Après, on fait une petite pause, on communique. Thinking about the good time. Thank you.
propose de faire comme ça. Et encore, je veux voir vraiment tout. Vraiment, vraiment. Down the road.
de Miss Eddie James. Et franchement, je compte vraiment, vraiment sur vous pour chanter avec moi, si vous connaissez. Je veux voir comme ça. Oh, sometimes I got a good feeling. Yeah.
Le titre suivant, ce sera une reprise. Il s'appelle Nobody Told Me. C'est un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vintage Trouble, qui la chante. Nous, on adore ce groupe. Il vient d'ailleurs cet été à Paris. Si vous passez en juillet, je ne sais plus où, à la Cigale. Je fais une pub. Je ne suis pas payée pour ça d'ailleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que bientôt sur la page de cet établissement, cet merveilleux établissement, il y aura une vidéo avec notre reprise de ce titre. Celui qu'on va jouer, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, merci. Non, mais allez, ciao. Things getting heavy.
Merci beaucoup. Merci. Génial, génial. Vous êtes vraiment, vraiment chaud. J'adore ça. Merci beaucoup. Moi, je m'explique bizarrement. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous vous posez les questions. Les gens pensent que je suis canadienne, belge. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je viens de là où potentiellement aujourd'hui, même, je peux hésiter de le dire, mais je suis russe. À moitié ukrainienne, donc du coup, pour tout vous dire, c'est... Il y a des moments comme ça, malheureusement, dans la vie, qu'on ne maîtrise pas, mais on n'a qu'une seule solution, et la solution que moi j'ai aujourd'hui pour continuer dans cette situation, c'est d'offrir ma lumière et de prendre la vôtre. Merci. Do you think I want my love? I said I love you.
Prochain album qui sort le 3 juin 2022. J'espère que vous allez stay tuned. Merci. Voilà, on va utiliser cette phrase aussi que tous les groupes utilisent. Stay tuned. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, Instagram, YouTube et surtout voilà. Donc 3 juin. J'espère qu'on sera au rendez-vous de vos attentes et de nos attentes sur cet album qui va s'appeler Хорошо. Ils ont bien entendu, c'est pas grave, on y va. Yeah. Voilà. Et la chanson suivante, justement, elle vient de là. Elle s'appelle Let Me Be The Only One. Girls, did you call those?
Donc là, vous avez... Merci beaucoup. Sur cette scène, vous avez les musiciens qui viennent donc de coins du monde où le blues, c'est pas forcément... Ça vient pas avec le lait de... Comment on dirait ça? Le lait de la mer. On dirait ça en français, ça va? Voilà, donc ça vient pas comme ça. Donc du coup, on a une chanson qui s'appelle « Not allowed to sing the blues ». Je pense que vous m'avez compris, donc... devant vous, les gens qui normalement ne devraient pas chanter le blues. Et donc du coup, on a une chanson qui est consacrée à ça. Allez, « Not allowed to sing the blues ». Ça, je sais pas pourquoi, quand j'étais encore en Russie, j'écoutais tout ça et j'étais seule, complètement seule. Et voilà, maintenant en France, dans un club aussi chaleureux, merci beaucoup d'être là ce soir encore. Alors, la chanson suivante, elle s'appelle My God, This God Shapes. C'est aussi une chanson de notre prochain album. Moi, j'adore cette chanson, elle parle d'une femme, de la femme, elle, grande elle. Donc du coup, et ça parle d'une femme assumée dans le monde entier. Donc c'est-à-dire qu'on a encore un petit chemin à faire, peut-être pas en France, mais même en France, mais partout dans le monde.
on a envie de dire haut et fort qu'on est là et qu'on est God bless. Donc on est les... Yeah! Merci! Oh.
un petit moment de doute, parce qu'on vous a prévu tellement de choses. Voilà, donc là maintenant on voudrait vous faire ça pour le coup, vraiment de pour de vrai, ça va être une première, parce qu'on n'a jamais encore fait en public. Celle-ci, elle s'appelle Rough Waters. Donc sur l'album, sur l'album, elle est enregistrée avec la contrebasse. Oui, voilà, vous pouvez nous soutenir un petit peu, allez. Bah, déjà, on vous reprend, voilà. Un peu de logistique. En tout cas, je profite de ce moment. C'est bon ? Ah non, je profite pas de ce moment parce qu'on est déjà pris. Voilà, Thérèse. Thank you.
De se terminer, nous on ne veut pas vraiment pas du tout partir, mais nous sommes obligés de vous faire notre dernier titre qui s'appelle Road to Call Mine. Yes? Et là, surtout, lâchez-vous, franchement, là, vous pouvez, ça y est, c'est fini, maintenant on peut se sentir libre. Voilà, donc Road to Call Mine, un peu d'organisation de la part de GG. Hop! Allez, donc j'ai plus besoin de pied de micro, je pense que c'est bon. On peut. Yeah.
présenter les gens qui sont sur scène devant vous. Alors ici, nous avons la partie rythmique, le cœur et le rythme de notre groupe. Je vais commencer par juger là-bas, s'il vous plaît. Là, cette partie-là est gérée entièrement par le monsieur tout aussi gentil que talentueux. Il s'appelle Bobby à la batterie. Yes. Ici on a ce monsieur bien mystérieux qui veut paraître un petit peu, voilà, très dur, mais en vrai, il a un cœur. Ah, et c'est... Voilà encore, bien sûr, mon plan. Qui est aujourd'hui, qui a enchaîné des solos, etc. Donc il y a aussi créé ce groupe-là, le groupe qui est devant vous. Donc du coup, il a beaucoup, beaucoup piloté par ce monsieur-là, qui chante, qui joue merveilleusement bien la guitare. Il s'appelle Olivier Raymond, s'il vous plaît! Un groupe, c'est absolument pas possible si il y a quelqu'un au chant qui ne fait pas ce qu'il faut, qui est fantastique. Je vous demande d'applaudir la merveilleuse, la fabuleuse, la talentueuse Miss Yulia Goubenko, s'il vous plaît, au chant. Merci, merci beaucoup. Bien sûr, faites un max de bruit pour Franck et pour tout le staff de cet merveilleux endroit. Franchement, faites du bruit, s'il vous plaît. Merci aux caméramans et aussi à... Donc du coup... à tout le monde qui a participé à ce projet, c'est merveilleux, merci beaucoup, et faites du bruit aussi pour vous surtout. Je vous demande d'applaudir aussi également quelqu'un qui nous accompagne sur les routes et qui est toujours caché, Mister Xav, s'il vous plaît. Là, c'est notre manager, faut le préciser. Manager. Donc sur ce, merci beaucoup, vous étiez formidables ce soir. Bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup. Je pense que Julian l'a bien montré ce soir. Si on appelle notre planète la Terre des hommes, c'est parce qu'on ne doit pas faire taire des femmes. Et je suis persuadé que vous allez faire assez de bruit pour qu'elle revienne très vite. Si vous voulez, léger, voilà. Donc, du coup, ça va aider, ça va nous rebooster un petit peu.
daddy told me when he said goodbye, yes he did. Oh baby, good baby, baby bye and bye. That's what I'm waiting so to go, yeah. Don't you see how happy I am because I'm compliqué. On va vous faire encore une. Alors, c'est une composition qui s'appelle Young Man. Maintenant, il faut vraiment que tout le monde soit debout parce que là, franchement, c'est bon. Oh, young man, yeah, I'm right.
Thank you.